La question fondamentale qu'on se pose est comment on fait pour transformer? Parce que c'est la transformation qui développe et c'est la transformation qui enrichit. On ne peut donc pas continuer de faire les mêmes erreurs. Parce que parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on reproche à nos gouvernants quand nous-mêmes on fait la même chose? Je me rends compte que 99% des personnes qui sont dans le domaine agro-business ne transforment pas. Ils se contentent de produire et vendre leur production. Alors que quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique, quand vous allez en Occident de manière générale, même les petits producteurs transforment leur production. Donc cette vidéo, c'est un appel à la jeunesse pour lui demander de devenir obsédé par la volonté de transformer, parce que c'est la volonté de transformer qui donne la volonté, c'est la transformation qui donne la puissance. Si on veut devenir puissant, il faut qu'on transforme. Clairement, il faut qu'on transforme. Mon point, il est là-dessus. Si on veut que notre génération franchisse des paliers par rapport aux précédentes générations, en réalité, on doit être obsédé par l'idée de chercher les produits, les machines qui permettent de transformer. Et pour ça, je pense que l'une des choses que notre génération doit faire, et ça c'est une technique que je vous donne, gratis, allez au centre commercial de votre quartier, tenez-vous devant la caisse pendant 15 minutes et voyez les produits que les gens bipent pour sortir. Et posez-vous simplement la question, quelle est la matière première qui a permis d'obtenir ce produit-là? Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, cette matière première est disponible dans le pays. Et posez-vous donc la question, comment on fait pour partir de la matière première à l'objet transformé? Et à partir de là, vous avez votre challenge. Votre challenge va être donc de transformer. Votre challenge va être de partir de la tomate fruit à la tomate concentrée. Votre challenge va être de partir du piment frais au piment séché, en poudre, par exemple. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que notre génération arrête avec la facilité. Parce que la facilité, c'est produire et aller vendre. Le problème, c'est que ça, c'est ce que nos grands-parents faisaient au village il y a 50 ans. Comment voulez-vous qu'en 2021, nous continuions à travailler, à réfléchir comme nos grands-parents? La loi de l'agriculture, elle est simple. Si tu fais les mêmes choses que ton grand-père ou ta grand-mère, tu auras les mêmes résultats que lui. L'une des raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas faire de l'agriculture, c'est parce que quand ils regardent les grands-parents au village, ils se disent, je n'ai pas envie d'être comme mon grand-père qui a son pantalon déchiré là et qui est agriculteur. Parce que voilà l'image que les jeunes ont de l'agriculture. Voilà pourquoi j'ai voulu investir dans ce domaine, pour qu'entre autres, les jeunes puissent voir que le domaine agricole, c'est un domaine qui nourrit bien son homme. Que l'agriculture en Afrique peut créer des multimilliardaires. Donnez-nous juste encore quelques temps. Et vous allez voir, tout ce qu'on peut faire et bâtir comme fortune dans le domaine de l'agribusiness, si on le fait sérieusement, et c'est clairement notre challenge, le faire sérieusement et ouvrir les yeux à ceux qui ont encore quelques doutes par rapport à toute la richesse et tout le potentiel que nous avons ici. Vous allez chez Carrefour, vous allez chez Leclerc, vous allez chez Auchan, et vous allez vous rendre compte que 90% des produits transformés qu'il y a dans ces surfaces-là viennent de l'étranger. Or, nous avons ces matières premières ici. Nous devrions, nous aussi, transformer, produire pour nourrir la population, nourrir la sous-région et envoyer en Europe et envoyer en Amérique. On doit faire ça d'ici. On doit produire, nourrir le pays et envoyer une partie à l'étranger. Dis, écoutez, on vous envoie la tomate qui vient du Cameroun. On vous envoie la tomate qui vient de Côte d'Ivoire. On vous envoie les fraises qui viennent du Sénégal. On vous envoie, on vous envoie, on vous envoie. On doit arriver à ça. On doit arriver à ça. Et c'est clairement le message que je veux transmettre dans cette vidéo. C'est de dire aux jeunes, nous sommes une génération de transition. Nous sommes une génération qui doit mettre sur pied la transformation. Et cette transformation-là, on doit la déporter dans tous les domaines. On doit apprendre à transformer tout ce qu'il faut. On doit aller chercher la connaissance là où elle est. On doit aller acheter les machines là où elles sont. Si elles sont en Chine, on va en Chine. Si elles sont en Turquie, on va en Turquie. Mais on va aller apprendre et prendre les gens là-bas. Parce qu'il faut bien que vous compreniez quel est le mindset. Quand je vous dis par exemple qu'on va transformer les produits agricoles locaux, il y a des chances que localement ici, je suis en train de chercher. Il y a des chances que je ne trouve pas le niveau de compétence que je cherche. Vous croyez que qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller recruter un jeune en France. Je vais aller recruter un jeune en Italie. Je vais aller recruter un jeune en Allemagne, là où il faut le recruter. On va le débaucher là-bas. Il va venir ici. Il va prendre 6 mois, 1 an, année sabbatique s'il veut. Il va travailler ici. Il va apporter son expertise, sa technique. Il va former les jeunes ici. Il va nous donner la technologie, la technique.
Et il va rentrer chez lui. Et il aura contribué à sa manière afin que les choses changent dans ce pays. Je suis bien sûr que rien qu'en disant ce que je suis en train de dire là maintenant, il y a des jeunes qui écoutent cette vidéo et qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont en Espagne et qui savent transformer. Mais à qui on n'a jamais proposé de venir faire quelque chose sur le continent? Venez les amis, venez, vous écrivez contact@investiropays.com. Vous nous expliquez dans quel domaine vous travaillez en Europe, dans quel domaine d'expertise et de transformation vous êtes. Et on va voir comment on peut travailler avec vous pour que votre expertise aide l'Afrique et qu'elle contribue à faire développer les choses ici. Il faut que les jeunes se lèvent et qu'ils prennent conscience du fait que c'est eux qui vont faire que ce continent change.